doit faire le choix de l'accessibilité et non de la rentabilité. Faire ce choix, c'est se donner les moyens de se développer en tant que société, de garantir à chaque individu, indépendamment de sa situation financière et sociale, un accès à une formation universitaire. Merci. Je considère qu'il est encore temps pour le gouvernement de revenir à la raison. J'espère qu'il va le faire. Aujourd'hui, c'est le début de notre colère.
société juste, nous voulons une société équitable, nous voulons une société solidaire. Et nous n'accepterons plus jamais cette odeur de pourriture qui vient empoisonner notre quotidien. On lâche pas et on est rouge de colère pour un méchant pote. La manifestation d'aujourd'hui a insisté beaucoup contre notre solidarité, contre la hausse des frais de scolarité. La coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics insiste sur le fait que c'est un droit d'éducation, que ça nous concerne tous et toutes, et que les groupes sociaux sont solidaires de la lutte étudiante. Pour nous en dire davantage sur cette lutte qui a déjà commencé et sur ce qui s'en vient, il y a Léo Blouin, Bureau Blouin de la Fédération étudiante collégiale du Québec, une autre des associations étudiantes, membre de la coalition, qui va nous en dire davantage. Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer, on va faire quelques tests. Est-ce qu'il y a des étudiants en colère aujourd'hui? Non, je pense qu'ils ne vous ont pas entendu. Est-ce qu'il y a des étudiants en colère aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des citoyens en colère aujourd'hui à Québec? On est en colère, entre autres, parce qu'au dernier budget, le gouvernement a annoncé une augmentation de 1 625 $ des frais de scolarité universitaire d'ici 5 ans. C'est une des hausses des frais de scolarité les plus importantes de l'histoire du Québec et ça va avoir des conséquences importantes sur notre avenir et sur l'avenir des générations futures. Parce qu'augmenter les frais de scolarité, c'est demander l'impossible à bien des familles qui ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts. C'est se priver des diplômés qui vont prendre soin de notre population vieillissante. C'est se priver des enseignants qui vont enseigner à nos enfants. Et c'est couper les jambes de la relève du Québec. Et ça, je crois que c'est inacceptable. Et je crois que les libéraux doivent nous entendre aujourd'hui. C'est plus important que jamais qu'on se mobilise pour rappeler aux libéraux que c'est par des manifestations comme celle-là, que c'est par des groupes de pression comme nous, qu'on a réussi à faire du Québec un peuple fier, un peuple qui se tient debout, un peuple qui, lorsqu'il fait face à des injustices, se mobilise et ne les laisse pas passer, un peuple qui prend soin des gens qui ont de la difficulté à arriver. Et ça, ça passe entre autres par une éducation accessible pour tout le monde. Merci encore à tous d'être ici aujourd'hui. Vous pouvez être fiers. On s'est mobilisé parce qu'on fait face à des injustices en ce moment au Québec. Comme je le disais précédemment, on est un peuple qui se tient debout, un peuple qui se bat pour avoir une société qui correspond, une société à son image. Et ça, je pense qu'on peut en être fiers. Je pense qu'on peut repartir dans nos régions le cœur gros, le cœur plein d'ambition. Et j'espère le 10 novembre vous voir en grand nombre. Merci beaucoup. Passez une magnifique journée. Des services publics, on a une thématique alimentaire qui se poursuit depuis le printemps dernier. On a été manger des hot dogs devant chez sa maman, on a mangé des sandwichs pas de croûte devant M. Bolduc et on a surtout déposé quelques croutons à l'ail chez Pigeon. Donc on continue dans notre thématique alimentaire et aujourd'hui on va vous inviter à venir devant prendre une tomate. Si vous voulez nous dire pourquoi vous avez l'envie ou le besoin de lancer une tomate à Charest, vous pourrez le faire, il y a un micro ouvert. Et puis, donc c'est ça. Sinon, vous pouvez caler un slogan, vous commencez à les connaître par cœur, j'en suis sûre. Il y a des gants dans les bacs pour ceux qui ne veulent pas nécessairement mettre les bacs. C'est une vraie de vraie commission d'enquête, pas de demi-mesure. On ne veut pas avoir... Excusez. On ne veut pas que ce soit la juge qui décide si elle a besoin. On veut que ce soit conforme à la loi. Merci beaucoup. Ben, on devait te lancer ta tomate. Il y en a d'autres qui m'ont expliqué pourquoi ils lancent leur tomate. Moi, je trouve que vos tomates sont pas mal moins pourries que notre gouvernement.